S'il avait su que c'était un canard, Titou aurait sans doute été plus circonspect quand il découvrit Canadèche. L'hiver 1957, à peu près à l'époque où Alice Parkins le vit courir tout nu dans la rivière Mackenzie pour tenter d'embrocher un saumon avec sa canne à pêche, la plupart des habitants du coin commencèrent à penser que Jack était un peu maboule.